Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous faire un petit line check parce que ça fait longtemps depuis la dernière fois. Je pense que c'était il y a quelques mois déjà. Et vous savez que cette année pour moi était sous le signe de la pousse des cheveux. Mais quand je dis la pousse des cheveux, c'est vraiment tout ce que j'ai pu compiler depuis toutes ces années. En fait, l'année passée, j'ai fait un cas de conscience, entre guillemets, et je me suis rendu compte que ce n'était pas les produits finalement du commerce qui allaient m'aider à atteindre mes objectifs personnellement. Donc, du coup, j'ai basé ma démarche sur quoi? Sur les plantes, les huiles essentielles, enfin, des produits naturels essentiellement. Donc aujourd'hui, on va faire un line check pour voir où j'en suis. Normalement, je voulais vous faire un line check à la fin du mois de décembre et je le ferai toujours. Mais ici, je le fais maintenant parce que je suis en train d'utiliser, je suis en train de tester un nouveau produit entre guillemets. Et je voulais faire un line check maintenant pour ne pas biaiser les résultats, en fait, pour vraiment savoir si le produit que j'utilise entre guillemets a une efficacité ou pas. Donc je vous fais un line check maintenant et je vous ferai un line check à la fin du mois de décembre pour faire le bilan. Donc pour celles qui suivent, vous vous rappelez, en mars dernier, j'avais fait un line check. Et le but, c'était de voir ce que je pouvais avoir comme longueur parce que quelque part au fond de moi, je me suis toujours dit, la longueur que j'ai, c'est pas ma longueur, c'est pas mon potentiel maximum en fait. Donc ici, pour moi, le but, c'était de révéler mon potentiel maximum. Et ça, après analyse, je me suis rendu compte que ce n'était possible qu'avec des ingrédients 100% naturels. Donc voilà, donc du coup, c'est un petit peu ça le topo. Donc là, j'ai une nouvelle coiffure protectrice. Alors, pour celles qui suivent aussi, la dernière vidéo que j'ai postée, c'était la vidéo sur les tresses au fil où je vous disais que c'était une bonne manière de savoir de combien ses cheveux poussent, etc. Malheureusement, je n'ai pas pu tenir l'expérience sur tout le mois parce que les tresses au fil shrinkaient, les gars. Je vous assure, les tresses au fil shrinkaient. J'étais complètement abasourdi. Et une semaine après, quand j'ai voulu défaire une tresse pour voir ce qui se passait en dessous, c'était la catastrophe. C'est-à-dire que les cheveux étaient tellement enroulés. En fait, ça avait fait une sorte de boucle, mais une boucle piège, en fait. Parce que c'est le genre de boucle qui fait que tes cheveux s'attachent. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'était l'horreur. Donc, du coup, j'ai stoppé le truc et donc, je me suis fait des tresses deux ou trois semaines après. Et je vais la garder jusqu'à la fin du mois de décembre. Alors, comment est-ce qu'on va procéder pour le line check? Je vais défaire une tresse. Ok, je vais défaire une tresse et je vais mesurer. Donc, j'ai mon mètre ici. On va mesurer tout ça. Et si vous rentrez dans ma vidéo de line check en mars dernier, je vous disais que ma longueur moyenne de cheveux était entre 39 et 40. Mais c'était absolument pas ça, quoi. Enfin, quand j'ai revu la vidéo, je me suis dit, mais comment est-ce que j'ai pu me tromper à ce point? C'est-à-dire que le mètre n'est pas droit, c'est complètement penché. Et la marge d'erreur, elle est impardonnable, quoi. Elle est catastrophique. En fait, moi, j'estime la marge d'erreur à environ 7 cm, quoi, si pas plus. 7 cm, c'est beaucoup. Mais en même temps, c'est pas grand-chose sur le mètre. Regardez à quoi ressemble 7 cm. Regardez comment en mars dernier, je mesurais les choses. Donc maintenant, on va avoir la vraie mesure avec un mètre qui est beaucoup plus droit. Et on va voir ce que j'ai gagné depuis le mois de mars, en fait. On va voir ce que j'ai gagné donc sur 9 mois. On va voir ce que j'ai gagné en 9 mois. Donc, je vais diviser ça en deux. Et tout ça. Alors, cette fois, j'espère que je ne vais pas avoir. Donc, cette fois, je pense que c'est assez droit, donc il n'y a pas trop lieu d'avoir des erreurs. Et c'est entre 40 et 41. Donc, je dirais 40 et demi pour couper la poire en deux. Et ici, et ici. Ok. Et ici, c'est 41, 41. Bon, y a des cheveux qui sont un petit peu plus courts, mais bon, je mesure comme je mesure d'habitude, donc c'est 40
C'est 40, 40 et demi, 41. Donc, on va dire 40, 41. Donc, si j'enlève la marge d'erreur de 7 cm, vous avez bien vu les rushs de mars, où j'étais à 39, 40, soi-disant. Donc, en enlevant la marge d'erreur de 7 cm, ça fait qu'en mars dernier, j'étais à 32, j'étais à 32, à 32, 33. Donc, ça me fait une pousse. Ouais, c'est ça. Je suis à 32, 33. Donc, ça voudrait dire que j'ai retenu. Si je suis à 32, 33 et là, je suis à 40, 41, ça veut dire que j'ai retenu 8 cm. On est d'accord? 8 cm. Sachant que j'ai coupé deux fois. Ok? J'ai coupé deux fois. 1 cm, ça veut dire que j'ai, au total, en fait, j'ai eu 10 cm en 9 mois. Franchement, c'est pas mal, c'est super. Sachant qu'en plus, j'ai quand même, vraiment, depuis, j'utilise même plus de sérum de croissance. Franchement, c'est à peine, même si je fais mes soins, je fais mes soins une fois toutes les 3 semaines depuis au moins 3 mois. 3, 4 mois, je vous assure. Je fais mes soins. Je mets le sérum une fois et c'est après 3 semaines que je fais encore mes soins et que je mets le sérum. Même hydraté, j'hydrate à peine. Donc, j'ai un petit peu baissé mon régime et je vais reprendre avec la nouvelle année, etc. Je vais me remotiver et reprendre tout ça correctement. Donc, je pense que mes cheveux ont quand même beaucoup poussé. Hein, okay. Franchement, si je retenais, parce que 8 cm en 9 mois, si on fait la moyenne, si on fait la règle de 3, ça donne quoi en un an? Je vais vous mettre le calcul quelque part ici. Donc, si j'avais retenu cette longueur-là depuis le début, je crois que je serais au moins à 70 cm de cheveux aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Donc, ça prouve bien qu'il y a quelque chose que j'ai fait cette année qui a changé drastiquement la donne avec mes cheveux. Et donc, voilà. Il n'y a pas de fumée sans feu, en fait. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a pas de fumée sans feu et... Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc à vous de me dire, de juger, comment dire, objectivement pour me dire si vous avez l'impression que c'est plus de 7. En tout cas, ce n'est pas moins de 7. Quand on voit ce qui s'est passé en mars dernier, ça fait peur. Ça peut pas être moins de 7 parce que 7, c'est rikiki, quoi. C'est ridicule. Et quand on voit l'erreur, c'est énorme. Vous savez que je fais le coaching depuis 2015 et que j'ai repris activement encore il y a quelques mois parce que, bon, entre-temps, j'ai beaucoup appris. Entre-temps, j'ai été mon propre cobaye. Donc, j'ai obtenu encore de meilleurs résultats à partir de cette année. Donc, tout a changé, en fait. Et parce que c'est décembre, parce que c'est les fêtes, je vais... Laissez le lien pour les coachings, pour faire partie de mon programme de coaching dans la barre d'infos. Donc, je vais laisser le lien dans la barre d'infos, pendant 48 heures parce que normalement, c'est un lien uniquement pour les personnes qui ont pris déjà la formation, gratuite et donc qui sont sur ma liste privée. Ben, voilà, pour décembre, je laisse le lien ouvert. Pendant 48 heures et après je vais enlever le lien. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez commencer 2019 avec la bonne stratégie, la bonne méthode et aller beaucoup plus vite comme moi, n'hésitez pas à prendre votre programme de coaching parce que les résultats sont quasi garantis et voilà. En plus, je suis encore en train de préparer un nouveau contenu. Franchement, vous serez bluffés les filles et uniquement celles qui ont pris le programme et qui ont été satisfaites, bien évidemment, auront ce contenu que je suis en train de préparer gratuitement en bonus encore. Donc franchement, donc si vous voulez tester quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, n'hésitez pas.
n'hésitez pas à rejoindre le programme. Voilà, c'est pas gratuit, ce qui est sûr, parce que c'est du travail, c'est ma méthodologie, c'est pour vous aider à aller beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, avec un suivi derrière. Donc ça a un prix, voilà, c'est comme ça. Donc si vous déjà croyez, si vous êtes comme moi et vous croyez que vous avez la sensation que vous n'avez pas atteint votre potentiel maximum avec vos cheveux, et même moi, je suis pas encore arrivée au bout. Je vous ai dit, je suis en train de tester un nouveau produit, entre guillemets. Je vous en parlerai d'ici décembre ou en janvier. Donc, voilà, c'est toujours une quête. C'est toujours, voilà, c'est un processus, un schéma. Je veux voir là où je veux arriver. En fait, ça devient un défi parce que j'ai vraiment envie de voir que j'ai quand même pratiquement triplé la pousse de mes cheveux. C'est quand même fou, quoi. Je te dis, mais attends, ça veut dire que je suis complètement en sous-régime. Si je restais comme ça en pensant que c'est les produits du commerce qui allaient changer ma vie, bah, j'aurais jamais su où j'allais arriver, quoi. Et ce n'est que le début. Et ce n'est que le début parce que même maintenant, je découvre encore des choses qui sont bluffantes, quoi. Je me dis, mais attends, je pensais plus découvrir des choses. Est-ce que je suis en train de découvrir, je suis en train de préparer un contenu que celles qui ont pris le programme et qui ont été satisfaites vont recevoir gratuitement. Donc ça, c'est mon cadeau de Noël parce que ce contenu-là, c'est un autre programme payant, c'est autre chose, mais je vous l'offre gratuitement pour celles qui ont pris le programme de coaching et qui ont été satisfaites. Donc, je vous donne beaucoup plus, 100 000 fois plus que le prix. Donc, je peux pas faire mieux, en fait. Je peux pas faire mieux parce qu'il y a des choses, je me dis, ça, il faut que je le donne, quoi. Il faut que je le donne à un prix, quand même, hein. Sinon, vous faites vos propres petites recherches et vous débrouillez comme moi. Ça m'a pris 8 ans. Ok? Mais si vous voulez aller plus vite, je vais faire appel à mes services. Donc voilà les filles, je vous dis à la prochaine.